Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Première vraie vidéo de l'année, même s'il y a déjà eu la précédente où on a volé au-dessus de la brume. Vous avez vu ça. Écoutez, alors j'ai pensé à quelques vidéos tuto, mais ça viendra un petit peu plus tard, notamment sur les outils que j'utilise pour faire mes montages vidéo, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Mais là, écoutez, on se retrouve. Alors, où est-ce que l'on est? Alors, on est limite entre la Haute-Loire et la Lozère. Alors, je dis on, pourquoi? Parce que, comme d'habitude, je suis avec l'ami Manu, qui est là en ce début d'année avec moi. On est parti ce matin de bonne heure et de bonne humeur. Il est venu me chercher, il avait moins 14 degrés. Et là, actuellement, vous voyez, d'ailleurs, j'ai mis le bonnet, mais on a actuellement moins 7 degrés. On ne s'en rend pas compte, mais je peux vous dire que là, on est au soleil, ça va un petit peu mieux, mais il ne fait pas très très chaud. Et donc, je vous disais, on est à la limite Lozère-Haute-Loire. On est au niveau du viaduc, regardez ça. Alors, je continue de tourner. Alors, il y a le soleil, c'est peut-être pas terrible, mais vous le voyez là, on va le survoler. Le magnifique viaduc de Champoroux. Donc, il est arrondi. À ne pas confondre avec la précédente vidéo que j'avais faite au viaduc de Chamborigo, qui lui se trouve dans le Gard. Alors, j'y ai pas confondre parce que j'en connais qui l'ont confondu. Je vais pas rentrer dans les détails, ils se reconnaîtront. C'est pas Manu, hein, je vous rassure. Voilà, donc nous on va continuer. En attendant, avant de faire les premières images, on va vous montrer, on a filmé en venant. J'ai filmé Manu qui roulait. Et vous allez voir, là, on a eu un petit peu de neige pour venir jusqu'ici. Pourtant ici, on n'a plus de neige, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus rien du tout ici. Mais je vous envoie les petites images de tout à l'heure, les images enneigées. Et après on se retrouve pour les images du survol de ce superbe édifice. Allez, à tout à l'heure. Et Manu, tu fais quoi là? Je saute. Ah non, et tu vas pas sauter là? T'es taré? Et il est pas bien. Ouais. Mais c'est pas un parachute, c'est un sac. Je saute. Oh le fou! Il a sauté. Bon les amis, on se retrouve. Vous avez vu un petit peu les vues, c'est le cas de le dire, que je viens de vous montrer de ce fabuleux viaduc qui est toujours à mes côtés, voilà, qui est là, que vous apercevez ici. Écoutez, nous, il est quasiment midi et demi, donc avec l'ami Manu ici présent qui est, oui,
Toujours vivant, vous avez vu un petit peu la petite mise en scène que l'on a fait juste avant. Bon, c'était amusant et puis il est très très fort ce Manu. Mais pour s'en remettre, il a pris la boisson des athlètes. Il va boire un petit Coca. Alors, vidéo non sponsorisée par Coca-Cola. Mais enfin, si Coca regarde cette vidéo, je veux bien qu'il me sponsorise. J'en bois beaucoup. Donc voilà, écoutez, donc j'espère que vous avez apprécié toutes ces petites vues que l'on a fait du viaduc. Et pour l'anecdote, regardez, ben, je vais vous le montrer pendant que je parle. Regardez qu'est-ce qui est passé. Eh ben oui, il y a justement un train qui est passé sur le viaduc. On venait de ranger les drones pour se mettre à manger. C'est pas de bol, mais quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Donc tant pis. Peut-être que pendant qu'on mange, il y en a un autre qui va arriver. Si on arrive à le voir avant, on aura le temps de sortir. Mais écoutez, il y a peu de chance. Voilà. Sinon, nous, bah, c'est l'heure du casse-croûte. On va casser la croûte avec l'ami Manu. Et puis écoutez, on va continuer la balade cet après-midi. Puis j'espère qu'on va refaire quelques vues pour vous montrer. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, vous avez vu, on a terminé notre repas. Écoutez, on est remonté un petit peu en altitude. Je suis toujours évidemment l'ami Manuela. On est un peu en contre-jour parce que ben, l'ami Soleil est là, lui. Il est là, je ne vois pas bien, ça brille de partout. Mais je voulais vous montrer un petit peu cette somptuosité. Là. On est remonté un petit peu en altitude. Là, il y a beaucoup de neige. On n'est pas loin du col des Trois Sœurs, pour ceux qui connaissent. Il est à peu près 14h30. Là, il fait bon. Enfin, tout à l'heure... autant quand on a mangé, on était à moins 4 degrés, autant là on était, je ne sais plus Manu, bah, plus 2, voilà, on est en positif, 2 degrés. Écoutez, je vous fais un petit vol là, vers les sapins, la neige, je vous montre ça un petit peu mieux, puis on se retrouve après. Les amis, voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Alors écoutez, vous avez vu les images un petit peu de paysages enneigés là dernièrement, enfin les dernières images que je vous ai montrées. Voilà, on est avec le pilote, l'ami Manu en pilote. On a derrière l'ami Chapeau de Paille qui est installé sur son siège, qui nous a accompagné tout au long de cette petite balade. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but premier, c'était de voir le viaduc de Chaporoux. Donc, bah, écoutez, vous avez vu ce magnifique viaduc. Et puis, on aura profité en même temps de la neige à l'aller, au retour, avec les images qu'on a pu vous montrer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, on va le mettre là. On s'abonne. On met le petit pouce qui va bien, ça compte. On met un commentaire pour dire si ça vous a plu ou pas. Hein. Écoutez, dites ce que vous voulez en restant correct naturellement. Mais j'espère sincèrement que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous, on a pris à les tourner. Voilà, en tout cas, on s'est bien amusé. Il n'a pas fait chaud, mais c'était vraiment chouette. Voilà, donc n'oubliez pas, il y a le Discord pour ceux qui veulent venir vous poser des questions éventuellement. Et puis, écoutez, sur ce, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir !